Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors, je suis avec le Ravenwand Oracle et je vous propose un tirage en synchronicité pour voir comment est-ce qu'il répond à vos questions personnelles. Donc, comme d'habitude, je vous propose de penser à un sujet qui vous préoccupe et de choisir la carte qui vous convient le plus. J'ai tiré une carte à chaque fois. Donc, la première carte est ici, la deuxième ici et la troisième ici. Voilà, je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question. Sachant que j'ai demandé quelle attitude adopter par rapport à votre question. On va regarder la première carte. On a une sorcière qui est en train visiblement de prendre soin d'un chat. Et bon, on voit qu'il y a toute une famille, enfin plein de chats derrière. On a aussi comme des ruines, on dirait un vieux mur qui, voilà, qui a été détruit. On voit aussi derrière là une ébauche de mur. On a un côté assez, oui, comme s'il y avait des ruines, quelque chose d'ancien. On vous dit, faites vos preuves. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier quand même. Ouais, c'est ça, faites vos preuves. Dans l'histoire, en fait, puisque vous avez une petite histoire à chaque fois qui est racontée dans le livret, on nous raconte que ce sont des chats, en fait, qui sont sauvages. Et elle a envie de les approcher, mais voilà, ils sont sauvages, donc il va falloir qu'elle fasse ses preuves, c'est-à-dire qu'elle montre aux chats qu'ils peuvent lui faire confiance. Donc pour ça, elle doit faire preuve de patience. Un animal sauvage, c'est pas en se précipitant dessus qu'on s'en fait des amis. Au contraire, il faut y aller tout doucement. Elle doit y aller un peu à tâtons, pas faire trop de bruit, faire attention quand elle approche et accepter, dès qu'il y a un chat qui recule, de ne pas insister davantage. Et elle y revient tous les jours. Et il y a ce côté, vous voyez, un petit geste répétitif. Tous les jours, elle va aller les voir pour qu'ils s'habituent à sa présence. Et petit à petit, elle va pouvoir gagner leur confiance. Donc, par rapport à votre question, il y a clairement cette idée de patience, petit pas par petit pas. Faites vos preuves, c'est-à-dire peut-être commencer par incarner. Ça me fait penser à la citation de Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Commencez par incarner ce que vous voulez voir dans votre vie. Et petit à petit, un pas après l'autre, ça va finir par payer et vous allez réussir à construire quelque chose. Ça, c'est dans la signification de la carte dans le livret. Sinon, si on regarde aussi la carte en soi, moi, je trouve qu'il y a un côté apprivoiser, s'apprivoiser, apprivoiser l'autre aussi. Donc, si jamais votre question concerne une relation, par exemple, là, ça me fait penser au Petit Prince, ce côté apprivoiser l'autre. Donc, ben, apprendre à se connaître, prendre le temps aussi pour que la relation puisse se faire sur des bases solides. C'est vrai qu'on a ce côté, en fait, ruine. Et pour moi, ça renforce le fait qu'il y a quelque chose quand même d'assez fragile, peut-être de chahuté par le passé. Peut-être qu'il y a eu, je sais pas, une tempête, ou alors que c'était une demeure très ancienne et qu'elle a été détruite avec le temps. Mais voilà, il y a quelque chose par rapport à votre question d'assez fragile. En fait, c'est ça, il y a quelque chose d'assez fragile ou peut-être d'un peu sauvage. Et il va falloir prendre le temps et avancer doucement, mais avec persévérance. Continuer tous les jours de poser un petit pas comme une petite pierre. Et vous allez réussir à avancer par rapport à votre question. Voilà pour cette première carte. La deuxième, ouais, juste aussi, je pense à, il y a des chats, ça peut aussi faire penser au côté intuitif. Et c'est vrai que les chats, ils ont ce côté, je dis intuitif parce que voilà, le chat, c'est l'animal favori des sorcières. Et le chat, c'est pas non plus un animal, j'allais dire très vif. Enfin voilà, vous voyez comment ils marchent, les chats, il y a ce côté félin, très gracieux et aussi qui prennent le temps. Donc, c'est intéressant aussi de voir avec l'animal présent sur la carte. On va regarder le deuxième tirage. Très jolie carte. J'aime beaucoup ce qu'elle représente. Il y a vraiment une ambiance très enfantine, joie, bonheur, quelque chose d'à la fois simple et il y a vraiment une notion de plaisir. On a un lion qui est en train de se faire chatouiller par une fée.
Et on voit qu'il est vautré dans un pissenlit, dans une fleur de pissenlit, et ça fait voler des petites graines. Donc c'est voilà, le Daisy, c'est, je crois que c'est Marguerite en anglais, mais je ne sais pas si c'est le prénom de la fée aussi. Enfin voilà, en tout cas le lion a l'air de bien s'amuser. C'est une carte qui nous parle par rapport à votre question. Il s'agit vraiment de relâcher la pression, de s'autoriser à se faire du bien, à se faire plaisir, sans honte en fait. Dans le livret, ils nous disent, c'est mignon, je trouve, ils nous disent, genre, vous pouvez vous faire plaisir, vous amuser, vous vautrer sur des coussins, personne ne vous regarde. Voilà, il y a cette notion, autorisez-vous en fait sans chichi, comme quand vous étiez enfant, à juste vous amuser. Il n'y a pas de honte à ça, au contraire, justement, c'est comme ça que vous pourrez faire grandir vos ressources, contacter vos ressources par rapport à votre question. Parce que souvent, quand on se fait du souci pour quelque chose, malheureusement, on a tendance à être assez sérieux. Et en fait, il n'y a rien de pire. Parce que plus on est sérieux, plus on diminue notre champ de conscience, en fait. Et plus on diminue notre champ de conscience, moins on a de chances de trouver une solution. Donc ici, par rapport à votre question, c'est vraiment la détente qui est conseillée. L'insouciance aussi, vraiment même le rire, le fait de se prendre moins au sérieux. Et c'est intéressant, là, je trouve, la fleur de pissenlit, puisque, voilà, en s'amusant, il est vautré dans cette fleur. Et en fait, ça fait s'envoler des graines. Et enfin, moi, ça me fait vraiment penser à l'image de la fleur sur laquelle on va souffler. Et donc, voilà, les graines qui vont s'envoler, on dit souvent qu'on. C'est associé au vœu. On vous dit de faire un souhait. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez fait quand vous étiez petit. Mais voilà, il y a cette idée-là. Et c'est intéressant, je trouve, en fait, dans le fait de se laisser aller. C'est ça, en fait, vraiment de se laisser aller dans les bras de la vie. Eh bien, ça va finalement, quelque part, être productif dans un sens, puisque voilà, il y a toutes ces graines qui vont aller se planter. Parce que souvent, encore une fois, je trouve, quand on se tracasse pour certaines choses, on s'autorise pas à se faire du bien parce qu'on se dit que c'est pas productif, que ça va servir à rien, que c'est du temps perdu. Et en fait, au contraire, même si ça ne paraît pas au premier abord, ça ne peut que élever votre vibration, et élever votre vibration, ça ira dans le sens de la résolution de votre problème. Voilà. Pour cette deuxième carte, qui moi aussi me fait beaucoup penser à l'enfant intérieur. Je la mets de côté, on regarde la troisième carte. On a un renard qui est chez lui, entouré de plein de choses. On a un chapeau de sorcier. Alors on peut imaginer que c'est son chapeau à lui, et du coup c'est un renard sorcier. On a des chats, on a une créature volante, ailée ici. Une autre très jolie créature ailée ici. On a une clé aussi. On a des drapeaux comme une sorte de guirlande. Je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais. Un truc qui rappelle un peu le Moyen Âge. C'est vrai, d'ailleurs, on a le trône aussi, rappelle aussi ce côté moyenâgeux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un joli dragon derrière, là, dessiné. Un petit, on dirait un petit dragon ici. On a plein de petites créatures, plein de choses. On a ce tapis, on a un crâne. On dirait ici que c'est une sorte d'atelier, comme si on dirait qu'il a sculpté des. Moi, j'ai l'impression que c'est en bois, que c'est pas des vrais animaux, qu'il a sculpté des créatures. Et le nom de la carte, justement, on parle de sanctuaire. Alors, par rapport à votre question, en fait, il s'agit de vous recueillir dans un endroit qui vous fait du bien avec vos petits objets magiques à vous, en fait. Moi, je sais que je suis très comme ça. Enfin, j'aime beaucoup. C'est en fait l'idée de créer votre cocon. Je suis très cocon. Moi, j'adore. Moi, j'ai un petit côté, enfin, j'ai même un gros côté ermite, en fait. Il y a ce côté-là dans cette carte, c'est vraiment se retrouver dans sa grotte, dans son cocon, avec ses objets. Si vous êtes créatif aussi, il y a cette idée, vous voyez, de se retrouver dans son atelier. C'est une sensation particulière. Enfin, moi, je suis très créative et, bon, là, j'ai plus la place, mais quand j'étais chez mes parents, j'avais un atelier à moi et ça, il y a quelque chose d'extrêmement sécurisant. Je me sentais en sécurité avec mes créatures, les créatures que j'avais créées. Je fabriquais des objets avec des trucs de récupération. Donc voilà, il y a cette idée, en fait, un petit peu vous retrouver dans votre monde avec vos objets magiques. Donc ça peut être moi, c'est avec les oracles. Rien que le fait d'être entouré de mes oracles, ça me fait du bien. Ça peut être des pierres, ça peut être des talismans que vous avez. Ça peut être aussi, là, je vous parle d'objets un petit peu magiques, ésotériques, mais en fait, ça peut être.
Je sais pas, ça peut être un bon bouquin, ça peut être. Moi, j'adore les peluches, ça peut être vos peluches, ça peut être. Je suis très coussin aussi, ça peut être vos coussins. Enfin, voilà, des choses, en fait, avec lesquelles vous vous sentez bien. Des choses qui vont vous sécuriser quelque part. Par rapport à votre question, je pense que vous avez besoin de vous sentir en sécurité, de vous nourrir aussi. Le sanctuaire, c'est vraiment là où on va se recueillir pour se nourrir. Il y a un aspect un petit peu introspection aussi, je trouve qu'il a l'air de réfléchir en étant appuyé sur son bâton. Il y a besoin de faire le point par rapport à votre question. Et pour faire ce point, je pense que vous avez besoin de vous mettre dans un environnement, oui, dans lequel forcément vous allez pouvoir être à l'aise. Et il y a aussi quand même une idée, je trouve, de oui, d'être seul, même s'il est entouré des animaux. Mais voilà, les animaux ou les créatures féeriques, mais il n'est pas dans la foule. Donc vous, ça peut être être avec votre animal de compagnie. Moi, les animaux me font énormément de bien. Je sais pas, ça peut être aussi si vous connaissez un endroit où vous vous sentez bien dans une forêt, c'est possible aussi. Moi, c'est vrai que j'aime pas parce que je me dis il y a toujours quelqu'un qui peut se pointer dans les à l'extérieur et je préfère avoir mon nid chez moi pour ces moments-là, mon sanctuaire. Moi, je sais personnellement que ce sera jamais à l'extérieur, mais vous, si vous connaissez un coin tranquille, ça peut être ça aussi. Voilà, il y a un besoin de rassembler ses forces. Et donc par rapport à votre question, il y a une notion de patience, de temps et d'introspection qui est importante et plutôt que de la précipitation ou une prise de décision là tout de suite, il y a besoin, je pense, de pas de réfléchir, mais oui, de réussir à contacter votre sagesse intérieure, en fait. Voilà, et pour ça, je pense qu'il y a besoin d'un petit peu de temps. Voilà, pour ce que je vois dans cette troisième carte. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt.